Alors déjà, vu l'expérience que tu m'expliques, je te conseille fortement d'aller toi-même chercher les réponses à travers toi-même, à travers cet abandon à l'amour que tu as vécu dans le métro le soir du discours de Macron. Mais si j'utilise ta question pour aller voir ce que répond le groupe et la structure du groupe concernant pourquoi on a créé le coronavirus en fait. Bah en fait, ta réponse de lorsque tu dis que le coronavirus t'a montré et t'a révélé que tu étais une cellule de l'organisme nommé Terre et que soit tu étais une cellule saine, soit tu étais une cellule cancéreuse, j'ai envie de dire, est vraiment, vraiment, vraiment très pertinente. Donc, merci à toi, Diaka. Il s'agit vraiment d'abandon. En fait, je disais que tout à l'heure, il ne s'agit ni de s'abandonner à l'ego, ni de s'abandonner au groupe, ni à l'un ni à l'autre, de laisser, de créer un espace. Le coronavirus vient nous chercher là-dedans, en tout cas. Quand je me pose dans ta structure et que je vais voir un peu comment ça fonctionne, c'est ni moi, ni le groupe, ni la volonté du moi qui se croit séparé, ni la volonté du groupe, ni l'un ni l'autre. Tu crées un espace de je sais pas. Ça nous permet de créer un espace de je sais pas dans lequel on va créer, dans lequel on peut créer. Ta question, en fait, tu peux pas être séparé du matériel. Tant que tu crées, tant que tu continues à relationner, que tu vas pas t'enfermer dans ta grotte de manière éternelle, tu risques rien. Seul, il y a chez toi, Diaka, cet ego qui essaye de se maintenir en place, qui essaye de ne pas disparaître. Tu n'es pas ton ego. Tu n'es juste pas ton ego. Tu n'es pas Diaka. Tu es cet amour total que tu as vécu, qu'on peut nommer conscience, qu'on peut nommer Dieu, qu'on peut nommer univers, qui prend forme à travers une identité qui s'appelle Diaka, qui a des préférences, des valeurs, etc., etc. Et ça, ce sont les paramètres de Diaka, mais ce ne sont pas tes paramètres. Donc, ce que ça m'envoie, c'est n'écoute pas. Ne l'écoute pas parce que ce n'est pas un bon maître. Seul l'amour et la vie qui se chantaient à travers toi vaut la peine d'être suivi. Si la vie est ta création, alors l'ego en fait partie. L'essentiel, et là j'en reviens à la permaculture, c'est qu'est-ce que tu fais de cet ego? Est-ce que tu continues à le suivre, à l'écouter et à en faire ton patron? Ou est-ce que tu décides de le mettre de côté et de t'abandonner réellement à l'amour sans forme, l'amour sans condition qui est en toi, à cette conscience qui est en toi. Concrètement parlant, ça vient me chercher sur ta réponse vis-à-vis de ce que disent les autres, ta réponse à la vie. Quelle est ta réponse? Voilà, c'est ça. Merci. Quelle est ta réponse à la vie? Quelle est ta réponse par rapport à une situation que tu vis? Est-ce que tu écoutes l'ego? Est-ce que tu écoutes ce que dit le groupe? Ou est-ce que tu décides de n'écouter ni l'un ni l'autre et de simplement te laisser aller dans l'être, te laisser aller dans un espace que je nomme un espace du je sais pas. Tu te laisses aller dans un je sais pas. Je sais pas ce que je vais dire. Je ne suis ni la volonté du l'ego, ni la volonté du groupe. Donc, je ne sais pas ce que je vais dire. Je ne sais pas ce que je vais construire. Je ne sais pas quelles vont être mes interactions. Je ne sais pas quelles vont être mes réactions. Je ne sais pas quelles vont être les conséquences. Je ne sais pas quelles vont être la réponse des autres. Mais j'y vais. Et là, c'est un état d'abandon de soi face à la vie. Donc en fait, ta question, pourquoi j'ai créé le coronavirus, on s'en fout. Parce que tu essayes simplement de retourner. C'est une stratégie de ton ego pour te maintenir en place, pour ne pas que tu t'abandonnes
à l'amour, à l'être, à la conscience. C'est simplement ça. Donc, je ne vais pas pouvoir répondre à ta question. Pas comme je sens que tu vibres derrière. Parce que tout est ta création. Techniquement, tout. Ce que tu vois, ce que tu perçois, tout ce qui est perceptible par tes sens est ta création. Que ce soit dans les énergies ou dans la matière. Donc, en soi, je fais partie de ta création et tu fais partie de la mienne. Parce qu'on est chacun tout puissant dedans. Et je parle bien de toute puissance parce que c'est ça qui résonne en toi, Diaka. T'abandonner à... Alors, t'abandonner dans cet espace de non-question, parce que quand tu étais dans cet amour total, il n'y avait pas de question. Tu ne te posais pas cette question d'où ça vient. Il y avait... c'est un espace de non-question totale. Et quand tu rentres dedans, tu es à ta place. Quand tu rentres dedans, tu es ta puissance. Quand tu rentres dedans, tu es la solution que tu cherches. Et c'est la seule chose qui compte. Tu es ta propre autorité. Et ce n'est pas en étant là-dedans, parce qu'en fait, tu l'es déjà. Mais du point de vue de l'ego, il y a peut-être des moments où tu n'y es pas et des moments où tu y es. Et si tu crois aussi à ce scénario, bah parfois tu es séparé de qui tu es, de cet amour, et parfois tu n'es pas séparé de cet amour. Alors qu'en fait, tu y es tout le temps. Voilà ce que je pourrais dire pour toi.